Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, on attend quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour, trop heureuse de vous retrouver. Salut, rejoignez-nous tranquillement. Toujours les petits moments face à l'ordi comme ça quand je vous attends. C'est un petit moment de solitude de salut. Encore quelques instants que tout le monde se connecte. Salut de Londres, François. On va commencer. Bonjour à tous. On va commencer cette classe pour débutants. Donc, comme d'habitude, le cours débutant, on revoit un peu toutes les postures de base. Donc, bien sûr, plus les cours avancent et plus ça se complique un petit peu, mais ça reste toujours adapté aux débutants. Donc, vous en faites pas. Si c'est votre première classe, ça va peut-être aller un peu vite, mais ça reste quand même abordable. On reprend également les blocs si vous en avez chez vous, si vous les utilisez dans votre pratique. C'est quand même hyper important pour être bien placé. C'est quand même un sacré avantage. Ou alors, prenez un gros dictionnaire, un bouquin de cuisine, ce que vous voulez. Un support, en tout cas, pour vous aider à avoir des postures bien mieux placées. Voilà, je continuerai à vous expliquer comment les utiliser dans les postures si jamais vous ne savez pas trop. Ensuite, petite information également, je fais des playlists, donc comme d'habitude sur Spotify, qui sont adaptées au flow que je vous propose. Aujourd'hui, c'est le Yoga Flow 3. Donc, mon nom sur Spotify, c'est Nathalie Focat Yoga, tout en minuscules, accroché. Et vous trouvez la playlist Yoga Flow 3, que vous mettez bien sûr dans l'ordre et pas en mode aléatoire, sinon vous allez avoir des petites surprises. Et si vous n'aimez pas les ambiances musicales, ce qui peut aussi, voilà, chaque goût est différent au niveau de la musique aussi. Donc mettez, si vous le souhaitez, une musique à vous, si vous pratiquez en musique. Voilà, et ben maintenant que j'ai donné toutes ces petites infos, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc ce sera tous les mercredis à midi et demi en live et bien sûr en replay quand vous le souhaitez. Et on va commencer allongé sur le dos. Vous prenez le temps vraiment de faire de l'espace autour de vous, de ne pas être dérangé, en tout cas le moins possible. Et allongez-vous confortablement sur le dos, les pieds retombent naturellement sur l'extérieur, paume de main dirigée face au plafond. Et prenez un instant pour faire un petit check-up de votre corps. Acceptez les sensations qui viennent à vous. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, videz. Ce temps est très important pour vous reconnecter avec votre corps, canaliser votre esprit, vous reconcentrer sur votre respiration.
Et tranquillement, ramenez les bras au-dessus de la tête, entrelacez les doigts. Grandissez-vous, prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez tout, relâchez, expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Grandissez-vous, expirez par la bouche, relâchez. Ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Attrapez les genoux avec l'aide des mains. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche avec les genoux. Et poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête, regardez votre nombril, étirez bien entre les omoplates. Et relâchez vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Encore une fois, poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête, regardez votre nombril. Et relâchez vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Petit cercle de genoux vers l'extérieur, ouvrez les genoux et refermez les genoux. Décontractez vraiment les hanches dans un sens, dans l'autre. Et ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Attrapez la cuisse gauche. Pied droit bien flex. Et changez de côté, ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit, attrapez la cuisse droite. Relâchez le pied droit au sol, puis le pied gauche. Ramenez bien les mains sur le tapis. Poussez les fesses vers le plafond, gardez bien le regard vers le plafond également. Et relâchez les fesses au sol. Encore une fois, vraiment déroulez la colonne, poussez les fesses vers le plafond. Et relâchez. Vous allez tendre la jambe gauche vers le sol. Et ramenez le genou droit vers vous. Attrapez le genou droit avec les mains si c'est possible. Et amusez-vous un petit peu avec ce genou droit. Allez de droite à gauche, relâchez la hanche. Et relâchez le pied droit au sol. Ramenez la jambe gauche vers vous, attrapez le genou gauche, tendez la jambe droite au sol. Gardez bien le menton légèrement rentré vers la poitrine, tout le dos bien ancré sur le tapis. Et jouez un petit peu avec ce genou gauche, relâchez la hanche. Et ramenez le pied gauche au sol. Ramenez également le pied droit. Vous ramenez les bras au-dessus de la tête. Vous allez juste rouler en petite boule sur le côté gauche. Vraiment rouler en petite boule. Profitez à chaque fois d'une petite torsion. Et passez sur le dos. Et même chose de l'autre côté. On va pas mal être en mouvement aujourd'hui. Toujours gardez votre respiration fluide. Passez sur le côté droit. Et repassez sur le dos. Comme si on faisait un petit massage du dos ici. Profitez pour étirer à fur et à mesure. Repassez sur le côté droit. Et repasser sur le dos. C'est juste des petits mouvements pour réveiller le corps, repasser sur le côté droit. Et revenez sur le dos. Vous allez venir en petite boule sur le côté gauche. Aidez-vous de votre main droite. Tendez votre jambe droite vers l'avant du tapis. Redressez-vous.
Donc, on a ici la jambe droite tendue, la jambe gauche à l'intérieur. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. La main droite est derrière la jambe droite. Épaule droite bien basse. Épaule gauche également. Et regardez le plafond si c'est possible. Prenez une grande inspiration, redressez-vous. Directement, ramenez le pied droit vers vous et changez de côté, tendez la jambe gauche sur l'extérieur. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Et revenez. Repassez en tailleur face à l'écran si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez aussi lâcher l'écran et vous retrouver en tailleur, les mains sur les genoux. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Prenez vraiment le temps de mettre le corps en mouvement. Toujours dans ma classe, on commence rarement très très vite. On a toujours besoin d'un temps pour se reconnecter avec soi-même. Et revenez face, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le plafond. Grandissez-vous, montez les épaules, agrandissez la taille. Ramenez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez les coudes, ouvrez la poitrine, regardez le plafond. Expirez, refermez les coudes, regardez votre nombril, étirez la nuque. Inspirez, ouvrez les coudes. Expirez, refermez. Encore une fois, ça à votre rythme, sur l'inspiration plafond. Et sur l'expiration, tu enroules. Ramène les mains devant toi, relâche la tête vers l'avant, avance les mains le plus possible. Liais-toi de tes mains pour dérouler le dos. Ramène la main droite devant le genou droit, main gauche derrière le dos. Prends une grande inspiration et regarde derrière toi. Ramène la tête de face, puis le corps. Même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou gauche. Prends une grande inspiration. Et regarde à droite. Et reviens face. Entrelace les doigts encore une fois. Pousse les mains vers le plafond. Grandis-toi au maximum et fais des petits cercles ici avec les bras. Donc, les mains dessinent un cercle vers le plafond. Et dans l'autre sens. Relâche la main gauche au sol. Inspire, décale sur le côté. Toujours dans le mouvement, prochaine inspiration. Grandis-toi, redresse-toi, même chose de l'autre côté. Et juste dans des mouvements très fluides, redresse et va de l'autre côté. Garde bien les deux fesses au sol et change de côté. Et reviens face. Tu vas passer dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Donc, ajuste-toi bien vers l'arrière du tapis. Les fesses sur les talons. Genoux plus ou moins écartés, toujours dans cette posture de l'enfant pour être le plus confort possible. Avance les mains vers l'avant, le front au sol. Pour l'instant, garde les coudes au sol également, relâche les bras. Commence à essayer de tendre les bras. Ancre bien toutes tes mains au sol, décolle les coudes du tapis si c'est possible. Allonge les fesses vers l'arrière, les bouts de doigts vers l'avant. Et reviens ici dans un quatre pattes. Prochaine inspiration, regarde le plafond. Expire, enroule bas du dos, milieu du dos,
haut du dos. Essaye de vraiment trouver cette petite vague à l'inspiration plafond. Et à l'expiration, tu enroules. À ton rythme encore deux fois. Dernière fois. Reviens dos plat. Tu vas avancer les mains vers l'avant, garder les fesses très hautes, poser le front au sol. Laisse-toi glisser vers l'arrière tout simplement, ramène les fesses sur les talons, posture de l'enfant, relâche le front au sol, relâche les coudes sur le tapis. Déroule le dos pour venir t'asseoir sur les pieds. On ne va pas rester ensemble pour ceux pour qui ce n'est pas très agréable. Inspire, monte les bras vers le plafond. Regarde entre tes paumes de main. Étire au maximum. Et prochaine expiration, ouvre les bras sur les extérieurs. Amène la tête de face. Grand cercle de bras. Encore, inspire, monte les bras vers le plafond. Expire, amène la tête de face, ouvre les bras sur les extérieurs. Ramène la main droite devant le genou gauche, regarde derrière toi. Et reviens face, même chose de l'autre côté. Et reviens face, reviens dans un quatre pattes. Tu vas venir en dos rond. Quatre pattes dos rond, allez, pousse le plus possible le nombril vers le plafond. Passe par un dos creux. Ramène les coudes ici proches du corps. Essaye de déposer la poitrine au sol et de garder les fesses très hautes. Tu glisses vers l'avant, chien tête en haut. Garde les genoux au sol pour le moment. Juste étire la poitrine vers le plafond. Garde la tête de face, pas de nuque cassée vers l'arrière. Repousse les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant. Encore, passe par un dos rond. Et dos creux, descends les coudes proches du corps, glisse vers l'avant. Essaye vraiment de trouver une vague. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Tout ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Allez, dos rond, quatre pattes. Passe par un dos creux, descends les coudes proches du corps, poitrine, inspire, chien tête en haut. Et posture de l'enfant, relâche. Dernière fois avec encore plus de fluidité, dos rond. Dos creux, descend. Inspire, chien, tête en haut. Posture de l'enfant, relâche. Fesses vers l'arrière. Reste ici. Et inspire, reviens dans un quatre pattes. Tu vas essayer d'ouvrir un peu plus les genoux, de reculer les fesses sur les talons. Garde la tête vers l'avant. Essaye de poser éventuellement le menton au sol. Étire vraiment les bras vers l'avant. Allonge les fesses vers l'arrière. Et reviens dans un quatre pattes. Réajuste les genoux, largeur du bassin. Crochette les orteils derrière. Tu vas pousser les fesses vers l'arrière. Et pour l'instant, tu restes comme ça. Tu pousses juste les fesses vers l'arrière. Ancre bien tes mains au sol. Reviens dans un quatre pattes. On va passer par le même mouvement et on va monter dans un chien tête en bas. Donc ici, colle bien le ventre aux cuisses et pousse ici pour ramener les fesses vers le plafond. Chien tête en bas, plie une jambe et puis l'autre. Essaye d'avoir les bras bien tendus, les côtes flottantes resserrées et les omoplates ouvertes. Allez, plie une jambe et puis l'autre. Toujours avec beaucoup de fluidité, de douceur dans le mouvement. Tu vas revenir dans un quatre pattes dos rond. Pose les genoux, quatre pattes dos rond. Descends les coudes proches du corps, dos creux. Inspire, chien, tête en haut. Directement, quatre pattes dos rond. Quatre pattes dos rond. Dos creux, crochette les orteils. Pousse les fesses vers le haut, chien, tête en bas.
Marche pour amener les pieds à côté des mains, pieds écartés, largeur du bassin. Relâche la tête. Et fais des petits mouvements de droite à gauche. Et plie les genoux, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Garde bien les genoux fléchis jusqu'en haut. Tends les jambes, inspire, monte les bras vers le plafond. Regarde entre tes paumes de main, expire, ouvre les bras sur les extérieurs. Tête vers l'avant, grand cercle de bras. Inspire, monte les bras vers le plafond. Expire, cercle de bras, tête vers l'avant. Encore, inspire, plafond. Et expire, ouvre. Garde cette belle respiration. Inspire, monte les bras vers l'avant et vers le haut. Expire, cette fois-ci, descend vers l'avant, dos plat. Allonge le dos au maximum, plie les genoux s'il faut. Inspire, allonge le dos parallèle au sol. Expire, les genoux. Encore une fois. Recule dans un chien tête en bas directement. Un pied après l'autre, chien tête en bas. Reviens dans un dos rond, quatre pattes. Descends les coudes proches du corps. Inspire, chien tête en haut. Directement, crochette les orteils, chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés, largeur du bassin. Relâche la tête. Attrape les coudes opposés. Balance de droite à gauche. Et pour tout le monde, pliez les genoux. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Gardez les coudes accrochés. Montez les bras vers le plafond. Donc, on a vraiment ici les coudes bien accrochés. Ouvrez les pieds, largeur du bassin pour être bien stable et décalé sur le côté droit. Redressez-vous, même chose de l'autre côté. Et revenez face, relâchez les bras. Gardez les pieds, largeur du bassin, inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, descendez vers l'avant, dos plat. Inspire, allongez le buste parallèle au sol. Expire, les genoux, recule, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, reste ici dans le chien tête en bas. Tu vas pousser le pied droit vers l'arrière, orteil dirigé face au sol. Garde les hanches fermées, les côtes flottantes bien resserrées. Pousse sur les mains vers l'arrière. Expire, tu vas monter sur la demi-pointe du pied gauche et enrouler la tête pour amener la tête vers ton genou droit fléchi. Donc vraiment, ça se passe sous le nombril ici. Et repousse le pied droit derrière. Encore une fois, ça. Expire, genou, nez, nez, genou. Repousse le pied droit derrière et ramène le pied droit entre les mains. En plusieurs fois, s'il faut, pose le talon gauche arrière à 45 degrés. Inspire, monte les bras vers le haut. On est dans un guerrier numéro 1 à droite. Dépose les mains au sol. Directement, tu vas ramener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, chaise, bras vers le haut. Tu peux ici ouvrir les bras à largeur des épaules pour bien baisser les épaules. Regarde légèrement vers le bas. Tu dois juste voir tes gros orteils. Toujours avec cette belle respiration. Et dépose les mains au sol. Directement, recule le pied droit derrière. Pose le pied droit à 45 degrés avec le pied gauche. Inspire, lève les bras vers le haut. On est dans un guerrier numéro 1 à gauche. Le regard est soit face, soit entre les mains. Face, ça me va si les épaules sont bien basses. Dépose les mains au sol directement. Tu vas pousser le pied gauche derrière dans un chien tête en bas, trois pattes. Orteil gauche dirigé face au sol.
Monte sur la demi-pointe du pied droit, enroule sous le nombril le genou, néné genou, et repousse le pied gauche derrière. Encore une fois, expire, genou sous le nombril. Et repousse directement le pied gauche entre les mains. Et le pied droit également rejoint le pied gauche. Inspire, chaise, bras vers le haut. Expire, main en position prière, reste dans la chaise. Entrelace les doigts au-dessus des fesses, essaie de rapprocher les paumes de main ensemble et plonge vers l'avant, ramène le ventre sur les cuisses, monte les bras vers le haut. Allez, on tient, dépose le bout des doigts au sol, tends les jambes si tu le souhaites, relâche la tête. Et pour tout le monde, pliez les genoux, reculez le pied gauche directement vers l'arrière dans une fente. Continuez à engager le ventre, la jambe gauche bien tendue. Inspirez, levez les bras vers le haut. Baissez les épaules. Prenez une grande inspiration, essayez de diriger votre regard légèrement vers le plafond. Expirez, ramenez le regard de face, cercle de bras, comme tout à l'heure. Inspirez, montez les bras vers le plafond, attention à votre équilibre, c'est un petit challenge, regardez le plafond. Expirez, ramenez le regard de face, ouvrez les bras. Dernière fois, on se le retente. Allez, inspirez, montez les bras, regardez vos mains. Expirez, ouvrez les bras sur les extérieurs. Ouh, ça chauffe la cuisse. Déposez les mains de chaque côté du pied droit. Cette fois-ci, repoussez le pied droit derrière dans un chien tête en bas à trois pattes. La jambe droite peut se soulever le plus possible. Gardez les épaules face si vous montez la jambe droite. Et vous allez ramener le genou droit en contact du coude gauche dans une planche. Il est sympa celui-là. Et repoussez le pied droit derrière et vers le haut. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Revenez dans un quatre pattes dos rond. Descendez dos, creux les coudes bien proches du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Marchez pour ramener les pieds entre les mains. Serrez les pieds, serrez les genoux. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Directement, les bras passent vers l'avant, entrelacez les doigts au-dessus des fesses, montez les bras vers le plafond. Déposez le bout des doigts au sol, reculez le pied droit directement derrière dans une fente. Inspirez, levez les bras vers le haut. Donc on est dans une fente à gauche, le pied droit derrière. Prenez une grande inspiration, regardez le plafond. Expirez, ouvrez les bras, ramenez le regard de face. Encore, jouez vraiment avec ce regard, cet équilibre. Inspirez, expirez face. Une dernière fois. Déposez les mains au sol. Reculez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas. Montez cette jambe gauche. Et ramenez ici le genou gauche vers le coude droit. Repoussez le pied gauche derrière. On va essayer ici de ramener le pied gauche, se déposer sous le nombril au sol. Donc ici, à un mètre du pied droit. Posez le talon droit. Quoi qu'il arrive, la jambe droite est tendue. Et on essaye de tendre la jambe gauche. Reculez la hanche gauche, allongez le dos. C'est le bon moment pour prendre vos petits blocs, pour les mettre sous vos mains si vous en avez besoin. Gardez-les à proximité. Pour tout le monde, pliez la jambe gauche si ce n'est pas déjà fait. Ramenez les mains vers l'avant du tapis. Vous allez ramener le pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, tendez la jambe gauche
Essayez de tendre la jambe droite. Regardez légèrement vers l'avant pour tout le monde. Montez sur le bout des doigts ou sur vos blocs. Pliez la jambe droite. Reculez le pied gauche dans une fente. Ça doit être précis, stable. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Si on a besoin, le bloc ici est sous la main gauche. Bras droit vers le plafond. Déposez la main droite au sol et repoussez le pied droit derrière dans un chien tête en bas, la jambe droite soulevée très haute. Posez le pied droit au sol. Allez, on pousse le pied gauche cette fois-ci vers l'arrière et vers le haut. Directement le pied gauche entre les mains. Essayez de contrôler ici, si ça ne vient pas d'un coup entre les mains, prenez le temps de vous installer, mais l'ajustement dans la fente doit être parfait. La main droite alignée au pied gauche. Essayez d'avoir un angle droit de 90 degrés avec votre jambe gauche. Allez, inspirez, levez le bras gauche vers le haut. Déposez la main gauche au sol, reculez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas à trois pattes. Posez le pied gauche, inspirez, revenez dans une planche et vous allez lever le bras gauche vers le haut, un pied devant l'autre. Allez pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez face, vous allez descendre ici les genoux au sol, descendre les coudes proches du corps et aller sur le ventre, restez sur le ventre. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses, inspirez, grandissez-vous, montez le haut du buste. Essayez de rapprocher les omoplates ensemble, de rapprocher les paumes de main. Et relâchez le front sur le tapis. Et on repart directement, prenez une grande inspiration, redressez le haut du buste, montez les jambes également cette fois-ci. Et relâchez les mains ici sous les épaules, repoussez sur les mains, posture de l'enfant, relâchez les fesses sur les talons, relâchez le bas du dos. Revenez dans un quatre pattes, crochetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, revenez dans une planche et cette fois-ci, montez le bras droit vers le plafond, un pied devant l'autre. Bras droit vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez votre main droite, repoussez les fesses vers le haut, chien tête en bas directement. Marchez pour ramener les pieds entre les mains, serrez les pieds, serrez les genoux, inspirez, chaise, bras vers le haut. Descendez les bras vers l'avant, entrelacez les doigts au-dessus des fesses, montez les bras vers le plafond. Relâchez les bras vers le sol, inspirez, levez les bras vers le plafond. Tendez les jambes, vous allez essayer de monter sur les demi-pointes et relâchez les talons au sol. Vous allez ramener le genou gauche vers vous, vers votre poitrine et attraper le genou gauche avec l'aide des mains. Concentrez-vous sur un point devant vous, gérez votre respiration. Ramenez les mains en position de prière. Tenez ce genou gauche. Ne lâchez pas. On va venir dans un guerrier numéro 3. On va pousser le pied gauche vers l'arrière. Fléchissez légèrement la jambe droite s'il faut. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Orteil dirigé face au sol. Le dos vient le plus possible parallèle au sol. Fermez les hanches. Engagez légèrement le ventre. Resserrez les côtes flottantes. Allez, 5, 4, 3, 2,
1. Redressez-vous, ne lâchez pas, remontez ce genou gauche vers votre poitrine. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Gardez le regard de face. Ouvrez les bras sur les extérieurs. Encore une fois, inspirez, montez. Allez, gardez ce genou gauche. Expirez, ouvrez les bras. Ramenez les mains en position de prière. Dernière fois, c'est promis. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Guerrier numéro 3. Allez, concentrez-vous. Si on tombe, c'est pas grave. On reprend la posture. Sans jugement, sans force. Et redressez-vous avec contrôle. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Allez, lâchez pas. Chaise, main en position de prière. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Ouvrez les pieds largeur du bassin. Entrelacez les doigts derrière les fesses. Inspirez, regardez le plafond. Expirez, descendez vers l'avant. Essayez d'allonger le dos, d'aligner vos fesses avec vos talons. Et relâchez le bout des doigts au sol. Mettez la main droite devant le pied droit. Pliez le genou droit. Ramenez sur un bloc si c'est trop dur. Inspirez, levez le bras gauche vers le haut. Donc le bloc ici est sous la main droite si on en a besoin. Jambe droite fléchie, bras gauche vers le plafond. Dirigez votre regard vers le plafond si c'est possible. Et relâchez la main gauche au sol. Main gauche devant le pied gauche, pliez le genou gauche, inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Et relâchez la main droite au sol, relâchez bien le corps, pliez les genoux, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Ramenez cette fois-ci le genou droit vers vous, attrapez le genou droit avec l'aide des mains. Ancrez bien ce pied gauche au sol. Imaginez vos orteils comme des grosses racines. Concentrez-vous sur un point devant vous. Directement, relâchez le genou droit. Ramenez les mains en position de prière. Quand je dis relâcher le genou droit, c'est enlever les mains du genou droit. Mais bien sûr, gardez le genou droit vers vous. Poussez le pied droit vers l'arrière. Guerrier numéro 3. Inspirez, redressez-vous. Restez ici. Prochaine inspiration, montez les bras vers le plafond. Expirez, ouvrez les bras sur les extérieurs. Encore deux fois, inspirez, plafond. Expirez, ouvrez les bras. Dernière fois. Ramenez les mains en position de prière. Guerrier numéro 3. 5, 4, 3, 2, 1. Redressez-vous. Bravo tout le monde. Ramenez le pied droit à l'extérieur ici, les orteils à l'extérieur du tapis, le talon sur le tapis, le pied gauche, la même chose. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez dans un demi-plié avec contrôle et puis un grand plié pour venir dans un squat en doux. Donc le squat en doux ici, on a vraiment les mains en position de prière. On essaie de redresser le dos au maximum. Aidez-vous de vos coudes si vous en avez besoin pour ouvrir les genoux sur les extérieurs. Relâchez le bout des doigts au sol. Refermez les pieds vers l'intérieur. Relâchez la tête. Essayez de tendre les jambes. Inspirez, allongez le buste parallèle au sol au maximum, allongez ce dos, expirez, relâchez. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge, remonte complètement les bras vers l'avant et vers le haut. Relâche les mains en position de prière et resserre les pieds. Largeur, pas largeur du bassin justement, resserre les pieds bien serrés et les genoux également. Inspire, monte les bras vers le haut. Expire, descend vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, les genoux.
Recule un pied après l'autre dans un chien tête en bas directement. Pousse le pied droit vers l'arrière, monte cette jambe droite et tu vas plier le genou droit, regarder au-dessus de l'épaule gauche. Est-ce que tu vois tes orteils? Ramène le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche à 90 degrés. Cercle de bras gauche. On est dans un guerrier numéro 2 à droite. Poids du corps bien entre les deux jambes. Pied gauche à 90 degrés. Regard dirigé vers votre main droite. Inspire, monte les bras vers le plafond, tend la jambe droite. Expire, surveille bien ce genou droit, redescend dans un guerrier 2, genou droit bien au-dessus des orteils. Encore une fois, inspire. Expire, tout avec contrôle. Dépose le coude droit sur le genou droit, monte le bras gauche vers l'oreille. Pousse bien ici cette épaule droite vers le bas. Inspire, redresse-toi. Ramène la main gauche dans le dos. Monte le bras droit vers le plafond et tire vers l'arrière. Restez bien entre deux murs. Quand je dis vers l'arrière, c'est vers l'arrière du tapis, pas vers l'arrière dans le sens du corps. Et revenez dans un guerrier numéro 2. Gardez votre main gauche derrière le dos. Si on peut, on vient déposer la main à l'intérieur du pied droit. Seulement si on peut et qu'on a le corps bien droit. Sinon, on reste sur le coude. Dirigez votre regard vers le plafond si c'est possible. Et relâchez le bras gauche vers l'avant, cercle de bras guerrier numéro 2. Tendez la jambe droite, refermez les deux pieds vers l'intérieur. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez, regardez le plafond. Expirez, descendez vers l'avant, n'hésitez pas à prendre les blocs si vous en avez besoin pour bien étirer le dos, relâchez la tête vers l'avant. Prenez une grande inspiration, redressez le buste parallèle au sol. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Prochaine inspiration, redressez-vous. Ouvrez les deux pieds sur les extérieurs. Demi-plié, grand plié. Ici, on va juste faire des petits mouvements de droite à gauche. Éventuellement, essayez de décoller les orteils et de garder que le talon au sol quand vous allez d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à relâcher les bras, faire des petits mouvements, ce que vous souhaitez. Travaillez vos cuisses en douceur, vraiment toujours avec contrôle d'un côté vers l'autre. Travaillez votre équilibre également. Fixez un point devant vous. Je vous dis ça et je tombe. Fixez un point devant vous. Ça chauffe. Tendez les jambes. Refermez les pieds vers l'intérieur. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Inspirez, regardez le plafond. Expirez, allez vers l'avant, montez les bras. Essayez de rapprocher les paumes de main ensemble. Allongez le dos au maximum. On a toujours tendance à avoir les fesses derrière les talons. Essayez d'avancer le poids du corps légèrement vers l'avant. Un peu plus vers vos orteils. Et relâchez les mains sous les épaules. Prenez une grande inspiration, redressez-vous. Et ouvrez le pied gauche sur l'extérieur. Guerrier numéro 2 à gauche. Dirigez votre regard vers votre main gauche. Ne regardez pas l'écran, faites-vous confiance. Tendez la jambe gauche, montez les bras vers le plafond, inspirez. Expirez, redescendez dans un guerrier numéro 2. Concentrez-vous sur votre genou gauche bien dans l'axe. Inspirez, tendez les jambes, montez les bras. Expirez, guerrier numéro 2.
Allez, toujours pareil, avec une grande confiance, déposez le coude gauche sur le genou gauche, montez le bras droit vers l'oreille. Baissez cette épaule gauche, regardez vers le plafond. Ne regardez pas l'ordinateur, dans tous les cas, vous êtes parfait. Inspirez, redressez-vous, guerrier numéro 2. Tendez la jambe gauche. Passez le bras droit ici, derrière le dos. Inspirez, montez le bras gauche vers le plafond. Revenez dans un guerrier numéro 2. Gardez cette main droite derrière le dos. Déposez la main gauche, si on peut, à l'intérieur du pied gauche. Regardez le plafond. Et relâche le bras droit vers le tapis. Grand cercle de bras droit pour revenir dans un guerrier numéro 2. Tends la jambe gauche, referme le pied vers l'intérieur. Ouvre les deux pieds sur les extérieurs. Main sur les hanches, demi-plié, grand plié. Et tends les jambes. Referme le pied gauche. Et bien dans une fente à droite, posez les mains au sol. Tu vas repousser le pied droit vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas à trois pattes. Ramène le genou droit cette fois-ci entre les mains et tu vas déposer le genou droit au sol délicatement. Recule le pied gauche derrière. On est dans un pigeon. On décrochette le pied arrière, pardon. Et ici, si tu n'es vraiment pas à l'aise, tu peux prendre ton petit bloc ou ton petit livre et tu le mets sous ta fesse droite surtout. Voilà. Pour les plus souples, tac, on avance le pied droit vers l'avant si on peut essayer d'avoir les hanches le plus possible de face. Et on peut aller pour tout le monde vers l'avant. L'objectif, c'est vraiment ici d'avoir les fesses de face bien alignées. Et redresse-toi. Alors, pour sortir de là, on enlève le bloc pour ceux qui l'ont. On referme le pied droit bien proche du bassin. On va poser les avant-bras au sol. On va monter sur les orteils du pied arrière. On engage le ventre. Et tout simplement, on va reculer le pied droit derrière, dans une planche, sur les coudes. Restez ici. Toujours le moment où tu te demandes combien de temps elle va nous laisser comme ça. Un petit peu. Encore quelques respirations. Respire surtout. Pose les genoux au sol. Youpi! Ramène les mains dans l'axe des genoux. Regarde le plafond. Ouvre la poitrine. À chaque fois que je dis regarder le plafond, c'est une intention. C'est pas du tout casser la nuque vers l'arrière. C'est juste l'intention de regarder vers le haut. Et relâchez le front au sol. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Prenez une grande inspiration. Levez les jambes, levez le haut du buste. Tout se passe toujours très très bien. Respirez. Et relâchez. Directement, vous revenez sur les avant-bras dans un petit sphinx. Vous rapprochez ici vos mains ensemble, vous entrelacez les doigts. Vous crochetez les orteils, engagez bien le bas du ventre et hop, redressez-vous. Sans prendre dans le bas du dos, on resserre les côtes flottantes. Est-ce qu'on peut essayer de s'amuser à lever le pied gauche? Rien ne bouge, il y a juste le pied gauche qui se soulève. Les hanches n'ont pas bougé. Posez le pied gauche et le pied droit. Reposez le pied droit au sol. Posez les genoux, posture de l'enfant bien méritée.
Relâchez les fesses sur les talons. Respirez. Et revenez dans un quatre pattes. Directement, vous allez ramener le genou gauche entre vos mains. Vous allez reculer le genou droit arrière et s'installer dans le pigeon. Donc vraiment ici, si la fesse gauche est très haute du sol, on ramène des bris de tous les bouquins de la maison sous la fesse gauche. Pour les autres, on peut aller directement vers l'avant. Et pour les plus souples, avancer ce pied gauche vers l'avant. Relâchez la tête. Et redressez-vous. Une dernière fois, c'est promis, la planche ici sur les avant-bras. Vous pouvez la skipper, la switcher si vous êtes trop fatigué. Tendez la jambe droite arrière, reculez le pied gauche, planche sur les coudes. Et ici, tout simplement, on va essayer de marcher pour amener les pieds le plus proche possible des coudes. Bien sûr, ils ne vont pas aller jusqu'à toucher les coudes, mais montez les fesses le plus possible. Et redescendez un pied après l'autre pour revenir dans une planche. On fait ça deux fois. Allez. Montez, ramenez les pieds le plus proche possible. Montez les fesses. Reculez les pieds vers l'arrière. Dernière fois. Je sais, ça fait trois en tout. Allez. Et relâchez. Oui, posez les genoux au sol, le ventre au sol et l'oreille droite sur le tapis, les bras le long du corps. Relâchez vraiment les épaules. Les pieds peuvent retomber ici sur les extérieurs, donc les jambes légèrement tournées vers l'intérieur. Inspirez, ramenez la tête de face, le menton bien sur le tapis. Attrapez ici les pieds avec l'aide des mains. Gardez vos pouces collés aux autres doigts. Si on peut, on va jusqu'aux chevilles. Si ça ne marche pas, attrapez ce que vous pouvez. Si on a les chevilles, on peut même mettre les pieds fesses. Ensuite, vous allez pousser les pieds ici vers l'arrière et vers le haut pour soulever le haut du buste. Allez, encore plus. Poussez vraiment les pieds vers l'arrière, vers le haut. Gardez les genoux le plus rapprochés possible. Ne laissez pas vos genoux s'écarter. Et bien sûr, tout ça avec le sourire en respirant, plus facile à dire qu'à faire. Et relâchez, ramenez l'oreille gauche sur le tapis, cette fois-ci les bras le long du corps, relâchez les pieds sur le tapis également. Ramenez le menton face, ramenez les mains sous les aisselles, revenez dans la posture de l'enfant le plus simplement possible, sans forcer sur le dos. Étirez vraiment les bras vers l'avant, le front au sol. Vous allez ramener les mains sur les talons et vous allez pousser les fesses vers le haut. Ramenez le sommet du crâne au sol, enroulez vraiment le dos, regardez votre nombril. Et relâchez les fesses sur les talons, aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. On est assis sur les pieds, la boucle est bouclée. Entrelacez les doigts, inspirez, regardez le plafond. Expirez, enroulez le dos vraiment tranquillement, posez le front au sol sans boum, avec contrôle, montez les bras vers le plafond.
redescendez les bras le long du corps, déroulez le dos. Et on va venir s'asseoir les jambes devant nous. On garde les jambes fléchies. Tac. On s'attend un peu à ce qui va se passer. Ramenez ici les paumes de main dirigées face au plafond et décollez le bas des jambes. Dernier gros effort. Après, c'est que des petits étirements. Tout se passe bien. Respirez. Allez, je compte jusqu'à 10. Si on veut essayer de tendre les jambes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, pose les pieds au sol. Tends les jambes. Prends une grande inspiration, monte les bras vers le plafond. Expire, descends vers l'avant, attrape ce que tu peux. Essaye d'avoir le dos droit pour le moment. Et relâchez pour tout le monde le dos rond. La tête s'enroule vers les genoux. Et déroulez le dos. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Et si on peut avoir le dos rond aujourd'hui, juste relâchez la tête. Pour avoir le bon écartement, imaginez avoir un grand front et qu'il puisse se coller à vos pieds. Si vous avez les pieds beaucoup trop proches, ce ne sera jamais possible. Et déroulez le dos. On va juste refermer ici les genoux d'un côté ou de l'autre. Et passez sur le dos. Vous passez sur le dos en passant par le côté. Pas vous faire mal au dos en fin de cours. Et on se retrouve tous sur le dos. Gardez bien les genoux fléchis. Ramenez les mains sur le ventre. On va faire la posture de la chandelle. Si vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, juste vous essayez ici de monter un pied et puis l'autre vers le plafond et vous restez ici. Si vous avez un mur proche de vous, vous pouvez même coller vos fesses au mur et poser les jambes sur le mur. Si on a envie d'une posture un peu plus dynamique pour terminer la classe, juste on va fléchir les genoux. Gardez bien la tête dirigée face au plafond. Ne tournez plus la tête une fois que vous êtes dans la posture. Ramenez les genoux vers votre nez, les mains dans le bas du dos et montez les jambes vers le plafond. Restez ici pour quelques respirations. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour ceux qui sont dans la chandelle, ramenez les genoux vers votre nez. Avec contrôle, pour ceux qui le souhaitent, essayez de tendre les jambes, les pieds se déposent à l'arrière de la tête. Et pour tout le monde, fléchissez les genoux. Relâchez vertèbre après vertèbre. Gardez les genoux fléchis. Essayez de relâcher avec contrôle. Vraiment contrôler jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Gardez le menton proche de la poitrine. Déposez les pieds au sol. Toujours les genoux fléchis. Protégez votre dos. Restez un instant ici. Laissez le temps au corps d'apprécier la posture.
Et tranquillement, on va passer par le côté que vous souhaitez. Pour vous redresser avec l'aide des mains, en passant par le côté, avec beaucoup de douceur. Et revenez face. Posez le bout des doigts au sol. Et ici, on va monter les fesses vers le plafond, ouvrir la poitrine une dernière fois pour faire une contre-posture. Montez les fesses vers le plafond, gardez bien les genoux écartés, largeur du bassin. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant, déposez les fesses au sol. Ramenez les genoux vers vous, roulez sur le dos. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche. Et étendez une jambe au sol et puis l'autre. Entrelacez les doigts au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois. Et relâchez. On va venir en Shavasana, ramener les bras le long du corps, paume de main dirigée face au plafond. Laissez retomber les pieds sur l'extérieur. Menton légèrement rentré vers la poitrine. Essayez d'allonger vos inspirations et vos expirations. Prochaine inspiration, imaginez que l'inspiration, que l'air rentre ici, du bout des orteils, passe par tout le corps, jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expiration, l'air passe par le sommet du crâne pour ressortir par les orteils. Inspirez, montez cette vague jusqu'en haut et expirez, la vague redescend. Reprenez un rythme respiratoire non forcé. Si vous souhaitez expirer par la bouche, faites-le. Et tranquillement, avec le moins de mouvement possible, retrouvez-vous en petite boule sur le côté droit du corps, avec éventuellement une main ou un bras sous l'oreille droite. Essayez de garder les yeux fermés, aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur. Le dos est droit et tient naturellement sans force. Prenez une grande inspiration, frottez vos paumes de main ensemble. Et ramenez vos mains sur vos paupières fermées et commencez un petit massage ici en passant par les tempes, les joues, éventuellement le cuir chevelu. Passez par la nuque si vous en avez envie. Et redescendez les mains sur vos genoux, paume de main dirigée face au plafond. Toujours les yeux fermés, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche lentement.
Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez les épaules vers le bas. Ramenez les mains en position de prière sur le plexus solaire. Inclinez légèrement la tête vers l'avant pour vous remercier de votre pratique d'aujourd'hui. Prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux. Expirez. Namasté, merci beaucoup. Enroulez le dos une dernière fois vers l'avant. Et déroulez le dos. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée pour la plupart. Comme d'habitude, je vous tiens au courant. Je pense que ce week-end, je vous ferai un petit atelier de yoga du soir, peut-être. Voilà. Donc, je vous tiens informée, toujours pareil, sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup pour vos dons, ce qui me permet de continuer ces petits cours en ligne parce que, comme vous savez, je donne tous mes cours de manière gratuite, juste sous forme de dons. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.